Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la collab Nike X Jacquemus. Donc bienvenue, bonjour, enchanté, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les deux paires, oui parce que j'ai réussi à cop les deux. Voilà donc c'est parti, commençons par... Attendez parce que là je vais le mettre bien en fait. On est mieux là. Donc c'est parti pour découvrir. Celle-ci c'est la marron. Donc, regardez déjà, c'est très sympa. La petite boîte avec écrit Jacquemus avec le Nike, le souche juste ici. Voilà. Ouverture. Sympa ma foi. Alors, je vous avoue que les voyants sur le site, que ce soit sneakers, bref, un peu partout, vraiment pas trop mon style. Le modèle, je sais même pas ce que c'est. C'est ouais, voilà, les Air Umara LX. Ok, certes, cousin. Je sais même pas si c'est pas des chaussures de randonnée. Non, je présente en tout cas, on dirait bien des chaussures de randonnée. J'avoue, je me suis pas renseignée avant. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est vraiment pour découvrir la paire et non pas pour que je raconte son histoire. Voilà, je tiens à vous préciser. J'ai eu la chance d'aller les chercher au Nike Lab. Donc, j'ai pu les voir en vrai. Et là, vraiment, coup de cœur. Je les ai vus avant sur quelqu'un qui les avait super bien portés et tout. Vraiment, c'était très très joli. Et donc, du coup, franchement, je suis très contente de les avoir prises parce qu'elles sont très très belles. Elles sont sorties à 169 euros, il me semble. Voilà, des très jolis détails. Les lacets sont très qualitatif, je trouve. Ça en dit beaucoup sur une paire. C'est que le côté rose, moi, que j'adore sur la paire marron, le marron et le rose, pour moi, c'est très joli et ça a beaucoup de succès, il me semble, chez Nike, en tout cas, quand on voit les Travis Scott, Jordan 1, etc. Voilà. Portée, c'est bien plus joli. De toute façon, je vais vous les montrer portées après. Franchement, je trouve que c'est une collab qui est, ma foi, plutôt réussie. Ensuite, on passe sur la paire de beige, qui est ma préférée. Celle-ci est très belle, voilà. Très très jolie, vous pouvez le constater, avec le petit côté daim et tout. Vraiment, c'est un joli travail quand même sur la paire. Avec le Jacquemus derrière, voilà, les lacets toujours aussi calmes. La beige est très jolie. Ensuite, au niveau des vêtements, donc qu'est-ce que j'ai acheté? Donc au niveau des vêtements, il y a pour l'instant, parce qu'il va y avoir d'autres vêtements qui vont sortir plus tard, il me semble, en septembre. Il y avait le pull, le hoodie, il y a eu une robe, très classe, très quali. Une robe un peu plus streetwear, un crop top, enfin une brassière magnifique avec les lacets là, incroyable. Et pour finir, une jupe short un peu style tennis. Parce qu'après il va y avoir un petit polo manche longue avec un leggings, si je dis pas de bêtises, d'autres tenues que j'ai pas vues peut-être. Donc j'ai pris le hoodie, je vais vous le montrer. Voici le hoodie. Donc je vais pas le porter parce qu'il est très chaud et qu'il fait carrément 50 degrés dans la chambre, c'est pas des lol. Voilà, donc vous voyez les petits détails très jolis avec le souche ici, avec les deux lacets comme ça. Il n'y a pas tant de détails que ça il me semble sur le pull. Non, voilà, il est blanc. Il est blanc, il est très oversize. C'est du S, mais elle a conseillé de prendre du S, le mec, alors pourtant je prends du M. Et franchement, même le S, il est très grand. Donc si vous êtes pas aussi costaud que moi, si vous faites moins d'1m75 et moins de 80 kg, ne prenez pas du S, prenez du XS. Ensuite, comment ai-je pu oublier un élément très important de cette collection? Le bob, les amis. Le bob, qui est très joli, qui est sorti à 45 euros. Voilà, toujours avec ce petit souche qui vient, vous voyez, resserrer. J'aurais aimé qu'il y ait écrit Jacquemus ou au moins soit un Nike, soit un souche. Ça m'a l'air d'être la qualité Nike. Hein. Ça m'a l'air d'être plus axé, voilà, Bob Nike plutôt que Jacquemus. Je reconnais vraiment la forme Nike. Vous excuserez mon bazar. S'il vous plaît, j'ai pas encore le studio que je rêverais. Je pègue, c'est infernal pour essayer les vêtements. Est-ce que vous avez déjà essayé un vêtement en pégant? Je vous le demande. Non, je pense pas. Alors, là, je l'ai mal mis. A few moments later. Je déconseille fortement aux personnes ayant des très grosses poitrines, ou même des grosses poitrines tout court. Elle est très sympa, mais moi j'ai pris du L, voilà. Ça va franchement. Elle est bien, elle est vraiment classe, la texture est très classe, pas du tout stretch. Vous avez le petit col ici, très sympa, avec là, ça je l'ai mal mis, vous m'excuserez, avec le petit souche juste ici. Donc non, franchement, moi je valide grave. Mais pas à mettre quand tu pègues, quoi. Parce que là, sinon, ça me dégage. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever, je vais péter un plomb.
Allez, on reste calme. Vous voyez, j'ai mal mis ici. Il aurait dû se retrouver derrière. Donc rien que ça, c'est très énervant à mettre. Mais ça vaut le coup après, une fois porté. Je trouve ça très très joli. Ah oui, et aussi j'ai essayé l'autre robe. Hyper transparente. En haut, j'arrivais pas à la rentrer. J'ai pris du M. J'ai dit du L, elle m'a dit non, non, il faut du M, il faut que ça serre. Ah, cousine, je rentre pas dans ton bordel. Hein. Voilà, elle avait l'air très jolie sur les filles très très minces. Déjà que moi, tu vois comment je suis foutue, je galère grave. Voilà, c'est du L là, bon après je suis grande, j'ai quand même un gros dos et tout. Mais j'imagine pas les filles rondes quoi. Donc là on va essayer d'enlever. One Eye War Lighter. Donc voilà, ce que ça donne, c'est incroyable, c'est magnifique. Juste je suis un peu déçue parce que la jupe c'est du M et c'est un peu serré au niveau de là, vous voyez, au niveau du leggings et tout. Mais par contre ici c'est pas serré du tout, ça aurait dû être un petit peu plus serré quand même. Parce que moi ça baille derrière. C'est dommage. Par contre, ça c'est archi serré. J'ai pris du M, il y a du L qui arrive, c'est archi serré. C'est très joli. Regardez le détail, je sais pas si vous voyez le détail. Là, pareil, c'est trop beau. Bon, c'est très galère à mettre, mais le résultat est là. Le résultat est présent et cette tenue est juste incredible. En plus, je vous ai fait plaisir. Oh, vous en avez rien à foutre. J'ai foutu les Umara. J'adore l'ensemble, c'est très 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 joli. Donc voici pour ce qui est de la collection Jacquemus. Et je vais bien sûr finir par mettre mon petit Bob Jacquemus. Là voilà, je suis total look. Ils n'ont pas acheté les chaussettes, sinon j'aurais acheté les chaussettes. Voilà, je suis une grosse Yankee, c'est la vérité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et tout dit Wenty. Là le follow, lâche clos, tout ça, tout ça, tout ça. Me follow sur mes autres réseaux sociaux. Ce serait super sympa de votre part. On se retrouve pour peut-être un prochain haul. Avec grand plaisir.